qui ont mis en place ce gouvernement-là qui fonctionne vraiment pas. Pour les tests PCR, on va revenir là-dessus. Fin des tests obligatoires, oui et non. C'est ça, c'est un peu tendancieux. En fait, ils disent, bon, évidemment, il faut que tu sois adéquatement vacciné. Ça comprend les deux doses de vaccin. De mémoire, c'est 14 jours, ta deuxième dose, 14 jours avant que tu arrives sur le territoire canadien. Donc c'est à voir. À compter du 28 février, donc c'est pas tout de suite, tout de suite, ils vont retirer. Donc les voyageurs adéquatement vaccinés seront plus obligés de présenter un test PCR de dépistage de la COVID-19. En fait, soit ça sera un test antigénique, donc ça s'imagine un test rapide, ou sinon tu peux aussi encore faire le test PCR comme ils disent 72 heures avant. Tu vois, ils le mettent ici, de mémoire. Oui, on est à 3 doses ici aussi, j'ai eu ma troisième dose hier, Tostify. Mais pour le moment, ils demandent que 2 doses. Pour le moment, ok? Bon. Éventuellement, ça va changer. Peut-être qu'ils demanderont 3 doses. Mais ici, au Canada, ils appellent ça une dose de boost. C'est-à-dire un booster. Donc, c'est-à-dire que c'est une sorte de rappel de vaccin. On est censé être vacciné à 2 doses. Donc, c'est toujours 2 doses pour le voyage. Donc, les voyageurs pourront aussi continuer de présenter un test PCR s'ils le souhaitent. Dans ce cas, le test devra être fait dans les 72 heures avant l'arrivée au Canada. Ça change pas. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que ça pourrait prêter à confusion, si tu veux. D'accord? Mais, dans les faits, le 28 février, en effet, tu as raison, Panda, le 28 février, si tu es adéquatement vacciné, tu n'as plus besoin de présenter un test PCR. Par contre, donc, test rapide, par contre, faut pas oublier aussi, c'est qu'à l'aéroport, ils se réservent le droit de faire des tests, comme ça, je sais pas lesquels c'est le test, non, je ne me suis pas informé, mais au hasard dans les voyageurs. Donc, tu fasses attention à ça aussi, tu peux être testé à ton arrivée à l'aéroport, c'est quand même intéressant à savoir. Si jamais, ne pas être surpris, si jamais d'un seul coup tu dis, oh, pourquoi je vais tester? Pourquoi moi? C'est comme ça, c'est au hasard. Mais tout ça vient de la faute du gouvernement un peu. Bah, parce que il y a plein de rails de même là, que mettez votre masque, prenez je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle push-push là, prenez le push-push, faisiez la file dehors au magasin. Liam, depuis que la Covid a commencé, je ne sais absolument pas pourquoi, parce que c'est pas nous qui en parlons, mais il est contre le gouvernement Legault. Pourtant, je ne fais pas trop de politique quand il est là. J'en ai parlé, mais ça fait longtemps que lui.